Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce quatrième épisode de la carrière d'Earth 4. On abandonne le rallye pendant quelques instants et on se dirige vers le Land Rush avec au programme eh bien, deux compétitions avec du buggy et du cross. On va voir un petit peu ce que ça donne. On va lancer la première course avec donc trois épreuves. Alors on va passer en exigeant du côté de l'IA. Puisque vous l'avez vu lors des premières... voilà. Alors, au niveau du véhicule, est-ce qu'on peut se permettre d'avoir un petit buggy personnalisé? On a trois modèles, mais c'est trois couleurs différentes. On va quand même prendre celui que l'on a dans le garage. Est-ce qu'on peut peut-être, au niveau de la livrée, changer quelque chose? Non, écoutez, celui-ci ressemble assez bien à nos couleurs. Donc, on va le conserver. Donc, il y a trois meetings. Le premier se situe, vous le voyez, du côté... du Nevada aux États-Unis, 1 km évidemment de piste, mais il y aura 3 tours à faire et il fera 5. Donc c'est plutôt pas mal pour débuter. On va pouvoir prendre un petit peu la mesure de ces buggies. Sachez aussi que j'ai changé, en plus de la difficulté, vous venez de le voir, eh bien, l'étalonnage du volant et le force feedback avec ce que j'ai pu trouver notamment sur Race Department, histoire de mettre tout ça un petit peu au goût du jour. Alors, il y a déjà de la poussière autour de l'hélicoptère, ça commence bien. Alors la demi-finale, les 4 meilleurs pilotes de chaque demi-finale se retrouveront en finale, les autres participeront à la finale B. Donc quoi qu'il arrive, on peut être avec la finale des nuls. Des objectifs pour ce nouveau meeting, cette nouvelle catégorie, donc terminer au moins 9e, remporter une course et avoir le tour le plus rapide pour gagner quelques milliers de crédits. Allez, on ne perd pas quelques secondes avec la préparation de la voiture, ça devrait aller, on part tout de suite sur la piste. C'est presque l'heure, on attaque à fond. Notre spotter nous dit que c'est clear. Hop, on est allé un peu au large. Hop, et ça touche. Une voiture à l'intérieur. Et on va, je crois, compléter le premier des trois tours. Allez, à la dérive. Un petit peu au large aussi. Et on est deuxième au passage de la ligne. Oh, ça s'est loupé. Allez, on a été touché à l'intérieur. Voiture à l'extérieur, on n'entend pas très bien le spotter dans le mélange. Fond de quatrième, on est un peu mal placé sur les buts, mais à l'intérieur, allez, on reprend l'avantage. Je rappelle, si vous venez de débarquer sur cet épisode de la carrière, que, évidemment, nous n'avons pas d'assistance. Et que, donc, le passage de la puissance au sol est assez compliqué. Allez, dernier tour, on est en tête, le quatrième de cette demi-finale. On est pour l'instant qualifié parmi les quatre premiers pour avoir notre ticket.
qui nous emmène vers la finale A. Hop, on a failli perdre la voiture là sur la bosse. Allez, à l'épingle. Une seconde, une d'avance sur la voiture derrière nous. La dérive. Hop, oh, on est au large. Oh, on perd une place. Oh, on est tombé troisième. Attention, et on est deuxième sur la ligne. Ouh, eh bien ça aurait été très très chaud. Et comme vous le voyez, on fait partie des 8 meilleurs pilotes qui vont donc se qualifier pour la finale à la première division. À nous maintenant de remporter cette épreuve. Un excellent départ, on essaie de fermer la porte à l'intérieur et virer en tête. Voilà, du premier droit, c'est fait. Gomez et Agüero qui sont juste derrière nous. Allez, il faut conserver l'intérieur coûte que coûte. Ah, le sous-virage ici qui est incroyable. Est-ce qu'on va se faire reprendre à la gauche de la piste? Non, allez, on conserve bien l'intérieur. Allez, on va tenter de croiser. Peut-être on pousse la voiture de Gomez. Et il n'empêche que nous franchissons le premier tour en tête. Allez, on cherche toujours à garder la corde. C'est pas mal derrière Brice et Gomez qui se battent. C'est toujours bon pour nous, ce petit avantage. Allez, on jette la voiture, on essaie de garder le grip. Allez, la réaccélération, c'est très très tard. Le délai. Mais on est bien face à nos 7 autres adversaires. C'est ici où j'ai beaucoup de mal. Le dernier gauche, où je suis quasiment à l'arrêt. Et ça revient. Hein. Ça revient très très fort derrière, il ne s'en prive pas. Allez, on est à mi-parcours, deux boucles, deux couvertes. Allez, une seconde 6 d'avance sur Martinez. Le plus dur est fait. Il va falloir maintenant conserver l'avantage. Allez, reviens, reviens. Oh là là, la voiture qui a beaucoup de mal. On est à 3 de front. Quatrième des 5 tours. Ce n'est pas 4 tours en finale, c'est 5, pardon. J'ai dit une bêtise tout à l'heure. L'avant-dernière boucle donc. On tire un petit peu sur les rapports de boîte, c'est pas grave. Nous nous plaçons maintenant aux côtés de Martinez qui revient très très fort. Hein. Martinez qui est très menaçant. Voiture à l'extérieur. Voiture à l'extérieur, il réaccélère peut-être mieux. Non, on conserve l'avantage. Dernière boucle ici. Et on perd la tête, on vient de perdre la tête. Attention, dernier tour. C'est très très chaud avec Brice et Martinez. Hop, et on a tapé la butte. Ah ouais, là c'est terminé, on ne peut rien faire. Oh, on se touche. Dernier virage. Allez, est-ce que ça va suffire pour aller l'emporter avec Agüero et Gomez? La ligne. Oh, que c'était chaud. Premier, super.
Ouh ! Eh bien, on aura mérité une bonne douche avec cette première finale A. Ça a été très 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 disputé. J'ai peut-être un petit peu crié fort hein, dans les utilisateurs d'écouteurs. Il y a dû avoir quelques pertes auditives. Mais en tout cas, c'était très très cool cette première épreuve. Place à la deuxième du championnat. Et le résultat donc, c'est la victoire dans cette première épreuve. Et on gagne quand même un petit peu de crédit. Et ça nous fait quand même gagner beaucoup, beaucoup de sous. Hop, voilà, on continue. Donc on a gagné la première course au Nevada, direction la Californie pour les deux autres. C'est presque l'heure, on attaque à fond. Rouge, tiens-toi prêt. Go, go, go! Intérieur. Et un premier virage sans encombre. On prend la tête avec nos adversaires habituels qui se retrouvent derrière nous. La hiérarchie de ce championnat est pour l'instant respectée ici dans cette demi-finale. Hop, on était proche des pneus. Et on complète le premier tour en tête. Mais c'est chaud avec Curtis à 3 dixièmes juste derrière nous. Hop. Et là, il n'est plus derrière nous. Il est passé devant. Oh, on se touche. Et on s'escalade. Télescopage des roues. Et un circuit plus lent qu'au Nevada, mais beaucoup plus technique. C'est pas simple de tenir le proto. Statu quo en termes d'écart avec nos adversaires. Troisième tour, il reste moins de deux boucles dans ce premier sprint. Allez, à l'intérieur en première. On va chercher le couple où il est. Allez, les derniers encouragements de notre spotter qui nous met un petit peu dedans. Hop, on est très large et on a quasiment touché le béton. Je sais pas si vous avez entendu. Spotter qui, au passage, a été réajusté au niveau du son pour que vous l'entendiez un petit peu mieux. Ici, il est beaucoup plus utile. Allez, en première, dans l'épingle. On relance. Et on remporte cette demi-finale. Première place. Le spotter qui est plutôt content. Et nous aussi finalement. Et place donc à la finale A puisqu'on est qualifié en remportant cette demi-finale. On est parmi les 8 meilleurs de la deuxième manche. Ben, c'est parti, on va voir un petit peu les objectifs. Terminer avec moins de 2 collisions majeures. Remporter la course et essayer d'avoir moins de 4 secondes de pénalité. On va tenter de ramener ces petits sesterces à la maison, c'est parti. Prêt. Vert, go, go, go. Oh, l'excellent départ. L'excellent départ, on va essayer de s'infiltrer tout de suite à la corde. Allez, on a freiné tard. Hop, on se touche. On se touche encore avec Cario. Ouais, ça s'est pas passé comme prévu au départ. On a été touché.
Cario, mais c'est pas grave. Allez, on est en tête dans cette première boucle. Avec une seconde 6 sur Brice. Ah, Cario qui a perdu beaucoup de place. Il est quatrième maintenant. Premier tour complété. Attention, on part un petit peu au large. On essaie de ne pas trop élargir cette trajectoire. Allez, l'appel contre appel, pas trop raté. Dans ces conditions, très difficile. Trois secondes, trois sur Cario, c'est pas mal. Allez, on continue d'attaquer. Deuxième tour bouclé. Petite dérobade au freinage, déstabilisation de la voiture. On continue d'accélérer. Pied dedans, quoi qu'il arrive. Petit coup de frein à main. On essaie de lancer la voiture comme il faut. Ça bastonne pas mal. 5 secondes pour Braddock Senior. Junior, pardon. Allez, une seconde de mieux au tour précédent de gagner. À nous de garder ce rythme. Allez, allez. Un petit peu de temps perdu sur la dernière épingle. Le dernier tour dans cette finale A. Dernier tour, mets la gomme. On n'est pas trop mal installé en tête. On n'a pas les écarts sur le haut de l'écran. Où est Duke? Pas les écarts avec le reste du peloton. C'est un peu inquiétant. Cario qui est passé maintenant devant Duke. Et le dernier virage qui arrive. Voilà, et ça va être gagné. Deuxième victoire dans cette épreuve. Après la demi-finale, c'est fait. Eh bien, nous remportons la deuxième course de ce championnat. Bravo. Ah, ça n'a pas été simple. On avait des adversaires très, très tendus. Ah, eh bien, on a pu réussir sans deux collisions majeures. Je pensais que c'était perdu à ce niveau-là. Allez, on fait les comptes. On gagne encore 38 000 crédits. Et on progresse encore d'un niveau. Et eh bien, voilà, on est plutôt bien placé pour la troisième et dernière manche. De nouveau en Californie. C'est parti. Et de retour pour la Californie avec la troisième course de ce championnat. Allez, on va terminer un éliminatoire avec un bonus de difficulté de 83%. Ce sera pas pour nous, je pense. Et on va commencer cette première course tout de suite. Bon, c'est bientôt l'heure. Concentre-toi. Qu'il était compliqué ce départ avec comme objectif prendre la tête sans avoir de visu sur les feux. Il fallait donc se fier pleinement à notre spotter, ce que nous avons fait. Ça a été tendu, on était très très mal placé, on était beaucoup trop à l'intérieur pour avoir la bonne trajectoire. Mais on a pu se replacer devant nos adversaires. Attention, on va compléter le premier tour. Hop, avec un gros survirage. Allez, on est en tête devant Perez. On essaie d'instaurer un bon rythme et une bonne trajectoire à répéter encore trois fois. Extérieur.
Ouais, là, on peut pas faire grand chose. Pilote en difficulté. Perd deux places sur le tour. Alors, si on peut regagner l'une ou l'autre position. C'est chaud. Intérieur et extérieur. Pas sûr qu'il y avait la place. On est en tête devant Perez maintenant. Se remet de notre mésaventure à la fin de ce troisième tour. Sans que Perez n'est pas loin. La concentration est assez importante parce que là, ça glisse beaucoup. Attention sur la ligne à Perez. Ouh, ça a été chaud. Bien joué, tu viens de t'offrir un ticket pour la finale A. Alors certes, le spotter est content, mais il n'a pas été excellent sur cette épreuve. Allez, l'ultime finale de cette vidéo avec comme objectif remporter les 3 courses sur 3. On va, je l'espère, démarrer cette épreuve, voilà, un peu mieux placée. Est-ce qu'on aurait un visu sur les feux? J'en doute fortement. Ah oui, ça sera encore à la... Au petit bonheur la chance. Allez, on est parti. Hop! Et on se fait toucher à même la ligne de départ. Allez, on parvient à s'extraire. On va voir si on peut plonger... À l'épingle, à l'extérieur, il y a Brice qui passe. On retrouve les mêmes toujours. Hop, pardon Brice, je ne fais que passer. Ah, Brice qui a pris un bon gros taquet, il était complètement à la dérive. J'ai pas su freiner, je pensais qu'il allait la récupérer. Malheureusement, je l'ai cassé. Allez, premier tour couvert dans cette finale A. Avec désormais Price qui est derrière nous. Ah, Brice qui est bon dernier. Il n'a pas abandonné, mais il a passé un sale quart d'heure. T'emballe pas, garde l'objectif en tête. On s'est fait toucher par Price à l'intérieur, mais c'est pas trop grave, il reste derrière. Bien joué, tu gagnes 2 dixièmes sur le tour. On essaie de refaire un peu la vue de Price pour l'aider à y voir plus clair. Ah, Price qui essaie de tous les côtés, hein, vraiment. Il avait déjà tenté ici tout à l'heure, c'était pas passé. On continue, un nouveau tour couvert. Price toujours derrière, on protège. On nous invite à pousser. C'est ce que l'on va faire. Allez, un peu large ici. Price qui semble avoir lâché. Allez, en deuxième, on complète le quatrième tour. Elle commence à sentir bon cette finale. Ah, allez, la dernière boucle. Tu gagnes ça. On va aller, hop, faire de notre mieux pour notre spotter, mais pour l'équipe aussi. Price qui est revenu, très très proche à Agüero, troisième. Allez, le dernier gauche. Gros survirage. Oh, on est emmené au loin. Est-ce qu'on va savoir réaccélérer à temps? Oh, ça va être serré. On est sur la ligne, deuxième. Wow, quel finish. Oui, ça me va.
Eh bien, on termine deuxième après une superbe bagarre avec le vainqueur, Price. Ça a été serré. Et on termine avec une deuxième place au général cette dernière épreuve, mais ce sera largement suffisant pour remporter le titre avec quelques petits bonus de crédit. Ça nous fait quand même une belle somme, 63 000 encore dans la poche. Et on passe bien évidemment au niveau supérieur, le niveau 16. Et on gagne encore quelques petits points. Vous au meilleur en rallycross, le sport automobile le plus vivace du moment. Eh bien, le championnat est désormais terminé et nous nous imposons à l'issue de ce dernier. Et ça va nous ramener encore quelques petits points. C'est toujours bon à prendre, on a gagné avec 72 unités. Voilà, eh bien écoutez, c'est ici que l'on va refermer ce quatrième épisode de la carrière d'Earth Rally avec, comme vous le voyez désormais, l'accès au rallycross. Et c'est là qu'on ira se frotter au prochain épisode aux adversaires de la catégorie Super 1600. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à cette série. Avec de très bons résultats pour les premiers épisodes, vous êtes très actifs dans les commentaires et je vous en remercie. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et on se donne rendez-vous sur les pistes de rallycross pour la cinquième partie de cette carrière d'Earth 4. Merci à toutes et à tous et à la prochaine. Et d'ici là, bon amusement en piste les amis, quelle que soit votre simulation préférée. Salut, à la prochaine.